On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à Tokyo. Je vous prépare une journée de folie. Donc là, je viens de prendre un petit matcha comme vous avez pu le voir. J'espère que ces images vous ont apaisé. Moi, j'ai adoré la regarder faire. C'était trop beau. Donc ce matin, on va aller visiter un temple qui s'appelle le Gotokuji et qui est le temple du chat porte-bonheur au Japon. Donc c'est un endroit magnifique et super mignon. Donc je vais vous emmener avec moi. On ira déjeuner des fluffy pancakes. Je rêve de manger ça depuis des années. J'en ai jamais trouvé à Paris et il y a un restaurant juste à côté de l'hôtel. Et cet après-midi, on ira visiter un des plus vieux immeubles de Ginza, un immeuble des années 30 dans un quartier très luxueux à Tokyo. Donc cet immeuble, c'est vraiment un truc de dingue. J'ai découvert, en fait, on va encore le visiter. C'est un des plus vieux immeubles de Ginza. Il a été construit dans les années 30 et il n'a pas été en fait détruit pendant la guerre. Il était considéré comme un des immeubles les plus luxueux à l'époque. Et donc je voulais vous emmener le visiter avec moi parce que c'est une adresse assez insolite et pas du tout connue des touristes. Je pense que ce soir, on ira dîner des ramen parce que j'en ai toujours pas mangé depuis que je suis arrivée et elles ont l'air incroyables. Donc c'est parti. Évidemment, ça fait des jours que je lorgne sur cette boulangerie là qui s'appelle Chez Lui. J'ai rien mangé, je crois que je vais me laisser tenter. Mais il y a des trucs trop drôles. Genre là, le petit pain, la saucisse. Et les pains au chocolat, ils ont l'air trop bons. Donc j'ai pris un petit pain à la saucisse et à la tomate. J'avais jamais goûté ça, on dirait une sorte de hot dog, mais trop mignon. C'est bon, c'est comme un petit hot dog au ketchup. Moi je suis pas du tout petit déj sucré donc j'adore ce genre de truc. Je comprends pas pourquoi en France il n'y a pas plus d'innovation en boulangerie, genre des petits trucs salés comme ça, un peu différents. Genre nous en salé il y a que les sandwichs baguettes, à la limite des gros hot dogs ou des sortes de pizzas pas très bonnes. Globalement c'est pas hyper créatif et ici, je sais pas, les boulangeries elles sont dingues. Il y a plein de choix salés avec de la viande, sans viande, des légumes, des artichauts. J'aime trop. Je pouvais pas savoir comme je me sens bien ici. En fait, Tokyo c'est connu pour jamais dormir, jamais s'arrêter. Mais en fait, il y a une énorme partie de la ville qui est super calme. On se croirait dans une petite banlieue résidentielle, il y a des plantes partout. C'est trop mignon et on se sent toujours hyper safe ici en fait. Genre moi je me suis endormie dans le métro avec mon téléphone, mon sac à côté de moi. Ça n'arriverait jamais à Paris quoi, j'aurais trop peur de me faire voler. Et ici tout est clean, tout est safe, on se sent vraiment bien. Il y a beau avoir énormément de monde dans le métro, être bondé et tout, bah tout le monde fait la queue de manière très ordonnée, personne se pousse, il n'y a jamais de mauvaise odeur. Quand même très agréable parce que c'est vrai que les distances sont longues, mais à part aux heures de pointe, elles sont quand même dans un environnement confortable, propre et tout. Donc je vous jure, le sol du métro, il brille quoi. Donc ces petits chats, ils s'appellent les Manekineko et ils portent bonheur en fait au Japon. Et donc les gens viennent au temple pour avoir de la chance, etc., pour faire des vœux. Et donc il y en a vraiment des milliers, je sais pas si vous avez vu, toutes formes, tailles, des tout petits, des très grands. Il y en a même qui ont des petits chapeaux et c'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous entendez, mais les corbeaux ici sont très actifs et sur des corbeaux vénères là. C'est parti pour les fluffy pancakes, j'ai trop hâte. J'ai réservé pour midi et demi chez Flippers Shimokitazawa.
few moments later. Chers amis, je suis de retour après une petite sieste de jet lag, vous savez. Et on va prendre le métro et aller jusqu'à Ginza pour aller visiter le Okuno Building. Je me suis dépêchée là, j'ai pas filmé le métro et tout parce qu'il fait déjà nuit à Tokyo. Là, il est 4h et voilà, je voulais vite vous filmer la façade de l'immeuble. Et je vais rentrer à l'intérieur et vous montrer parce que c'est assez incroyable. Là, c'est le premier étage. On voit en fait le sol qui est très usé. C'est un immeuble des années 30. C'était un des immeubles les plus luxueux de cette époque-là et il a été conservé même après la guerre. Ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont conservé aussi cet ascenseur, ce qui était une prouesse de modernité à l'époque, avec ce petit indicateur des étages. Trop mignon et on peut encore l'utiliser, donc je vais le tester. Donc, en fait, il y a plein de couloirs avec des galeries, des boutiques. Deuxième étage, plein de galeries. C'est une ambiance trop spéciale. En fait, il y a deux escaliers, vous voyez, il y en a un là. C'est deux immeubles collés. Et il y en a un autre ici. Les deux immeubles n'ont pas été faits exactement à la même époque. Et celui-là, regardez, c'est joli l'indicateur d'étage. On va tester l'ascenseur. Alors, faut l'ouvrir avec la main. Une première porte ici. Et il y a une seconde porte. Wow. J'avoue que ça fait un peu peur. On va essayer le dernier étage. Poignée d'époque. Bien refermer la porte. On arrive sur un étage comme ça. Là, il y a un escalier, mais on ne peut pas monter. Voilà Tokyo, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Petite fenêtre. Donc salle de bain avec les petits tuyaux. Et ici, c'était des salons. Donc cet immeuble est très spécial et à l'époque c'était vraiment un immeuble de luxe en fait parce qu'il y avait non seulement du chauffage, une salle de bain commune, un ascenseur, ce qui était vraiment incroyable. L'immeuble avait aussi une armature métallique anti-tremblement de terre, donc innovation de dingue. Et c'était un des seuls en fait qui avait cette protection là à cette époque. Il y a 70 appartements et 2 escaliers, donc c'est assez énorme. Et là comme vous avez pu voir, c'est surtout des galeries, des boutiques. C'est très artiste, c'est vraiment un milieu artistique maintenant qui s'est installé ici. Et tous les 6 du mois, ils ouvrent en fait l'appartement qu'on appelle l'appartement 306, qui était le salon de coiffure de la dernière habitante de cet immeuble à l'époque. Voilà, on n'est pas le 6 donc j'ai pas pu le visiter, mais ça avait l'air assez intéressant. Donc maintenant, on va aller tout en bas. Je vais essayer de vous montrer la salle de bain commune. Retournez sur l'escalier, on voit ça. Donc ça devait être ici, hein, avec le lavabo, les canalisations. On voit bien qu'il y a des carreaux partout, donc c'est possiblement là. Et voilà pour le Okuno Building, très intéressant je trouve. Parce que quand même au Japon, ils ont tendance à tout détruire pour tout reconstruire. Donc ça change un peu de voir une ancienne construction qui est un immeuble et pas juste un temple. Et voilà, on est sorti de l'immeuble. Je vais en profiter pour vous montrer Ginza la nuit parce que c'est magnifique. Donc, c'est vraiment le quartier où il y a toutes les boutiques de luxe, hein, clairement. Et la nuit, ça s'illumine. C'est les gratte-ciel japonais typiques. Donc je vais vous montrer ça. C'est pas grave, c'est le premier, de toute façon je suis sûre que je vais en trouver un bon, il y en a 10 000 au mètre carré. Mais en fait j'ai choisi le resto à la gare de Tokyo où il n'y avait pas la queue. C'était une erreur, il fallait faire la queue. Tout pour aujourd'hui, je vais rentrer penaude chez moi, mais j'ai quand même passé une trop bonne journée. J'espère que ça vous a plu aussi. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta si vous voulez regarder aussi. Je poste tous les jours des stories, je vous montre le quotidien ici au Japon. Et à donner un like à la vidéo et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous prépare des vidéos de folie là. C'est la dernière que je fais à Tokyo, celle-ci. Samedi, je prends un train pour aller dans un endroit incroyable. Vraiment un truc de fou. Ça fait des années que je rêve de le faire. Bien sûr, je filmerai, je vous dis pas ce que c'est. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.